Marche pas. I'm very pleased to be here again. It is my second visit in Ljubljana. The first was in 2010. And I know some people here, and I know that in relation with other countries, including Austria, there is a deep and vibrant intellectual, philosophical, theoretical life here. I am very proud to be invited to be a part of it. So thank you again. L'ouverture phénoménale de la révélation. La séparation entre la question de la révélation et de la foi, clairement assumée en théologie moderne par la distinction entre les deux traités des révélationnés et des fidés, avait assuré à la théologie un avantage. Prétendre énoncer des thèses rationnelles, en elles-mêmes intelligibles, et donc s'établir comme une science, voire compter parmi ce que Kant appelait les facultés supérieures. Mais cette opération avait un prix qu'il a fallu finir par payer. La scientificité revendiquée par la théologie, demeurant imprécisée et surtout invalidée par l'inaccessibilité dans cette vie de la scientia dei et beatorum, la révélation a dû soumettre ses propositions supposées suffisantes à l'interprétation de la seule raison effectivement disponible, la raison de la lumière naturelle, du moins telle que l'entendait le système de la métaphysique. Cette contre-interprétation a occupé tout le mouvement, d'abord de l'Enlightenment, Herbert von Chambery, Hume, Locke, sans compter Toland, Tyndall, etc., puis le mouvement des Lumières, Rousseau, bien sûr, jusqu'à l'Aufklärung, qui a clos le débat en l'élevant au niveau du concept, en particulier Fichte, Versuch einer Kritik der Offenbarung, à leur Offenbarung. Cette contre-interprétation triompha apparemment, puisque les tenants les plus conservateurs de la notion de révélation en vinrent eux-mêmes à invoquer la raison comme une révélation naturelle. En apparence seulement, parce qu'en effet, au moment même de ce triomphe, le vainqueur révélait de multiples manières l'imprécision de son concept même de raison, tel qu'il autorisait en principe le droit à critiquer la révélation entendue comme science. De multiples manières, de deux manières identifiables, par les notions précisément de critique et de concept. La critique revendique les limites de la raison, soit pour récuser les affirmations bibliques supposées irrationnelles, c'est la critique de Spinoza, ou la critique de la simple croyance, comme disait Hume, soit pour les reformuler selon ses normes, parfois en forçant les textes, comme Kant en revendiquait le droit. Mais ce faisant, se poser la question du statut de la légitimité même que la raison imposait à la religion entendue comme révélée. Certes, du point de vue de Kant, les limites que la simple raison impose au texte biblique se justifient parce qu'ils proviennent des limites que la raison pure s'impose à elle-même dans son propre exercice théorique, à savoir ne rien prétendre connaître par concept a priori que ce que l'intuition, dans les formes de l'espace et du temps, permet de donner et ainsi de valider. La raison n'impose à la prétention épistémologique de la révélation que les critiques qu'elle impose à sa propre fonction épistémologique. Mais cet argument se retourne aussitôt, car de quel droit la raison, qui ne légifère qu'au titre de sa finitude essentielle, et qui par respect de cette finitude se cantonne strictement à connaître des objets, peut-elle prétendre imposer ses limites, ses normes de finitude,
à ce qui, par principe, se propose comme une transgression de la finitude par intervention de l'infini. Il ne faut pas revenir à Hegel pour opposer à la critique la question de l'infini. Il suffit d'écouter Schleiermacher. Je cite « Tout ce qui est pour la religion nécessaire et tout ce qui peut être pour elle une image vraie et inesquivable de l'infini. » Tout ce qui est, pardon. Tout ce qui est pour elle, la religion, nécessaire et tout ce qui peut être est pour elle une image vraie et inesquivable de l'infini. Par ailleurs, lorsque la philosophie impose au nom de sa raison une interprétation strictement morale de la révélation, respecte-t-elle encore elle-même ses propres limites? Ne les outrepasse-t-elle pas déjà en qualifiant ainsi la moralité finie du titre avantageux de « Dieu moral », en couronnant la finitude par la, je cite, « reconnaissance de Dieu comme législateur moral ». Ces formules sont de Fichte. En un mot, si la raison, telle qu'elle exerce à la fin le système de la métaphysique, reste finie et simple raison, peut-elle encore imposer, sans autre justification, ses limites à ce qui se définit formellement par l'absence ou l'indifférence aux limites? Ce qui, pour la raison, c'est-à-dire pour nous, les mortels, apparaît impossible, l'est-il encore pour les dieux ou ceux qui en tiennent lieu, à qui, tous en conviennent, rien n'est impossible? La raison, en étendant la juridiction de sa finitude à ce qui, au moins, prétend s'en affranchir, l'infini, atteste donc l'indécision de son propre concept. Or, le concept auquel nous aboutissons en questionnant le concept de raison, à savoir le concept même de concept, offre lui aussi une égale indétermination. Hegel, plus encore que Fichte et Schelling, avait voulu surmonter la difficulté kantienne. La raison finie, disait-il, ne peut légiférer que dans le champ de ce qu'elle peut connaître, des objets finis, comme des intuitions, ses concepts et son imperception. Il faudrait donc, pour qu'elle devienne effectivement universelle, qu'elle embrasse, et par concept, l'infini lui-même. Un infini dès lors réel, effectivement connu, dans un savoir absolu. À cette condition seulement, la raison pourrait assumer le domaine de l'infini, tel qu'il se déploie, entre autres, dans la religion, qu'on pourrait alors appeler raisonnablement révélé. Mais encore une fois, la révélation ici supposée ne révélera rien que ce que la raison elle-même n'avait su. Mais cette fois, à juste titre, puisqu'en fait de raison, il s'agira du savoir absolu. Reste à justifier l'extension du concept du fini à l'infini. Cette difficulté cruciale définit l'ambition dernière et l'ambiguïté foncière de l'accomplissement positif du système de la métaphysique que tente Hegel, avant de ne s'effondrer sur son propre poids dans l'accomplissement négatif achevé par Nietzsche. Rapportée à la révélation, toute philosophie de la religion, au sens de Hegel, entendue comme l'élévation au concept de la philosophie de la révélation, Schelling, admet l'ambiguïté dans le même concept de deux termes presque équivalents. La religion révélée, geoffenbarte, c'est-à-dire en fait la révélation au sens biblique, et la connaissance découverte, offenbare, évidente, claire et certaine, au sens de Descartes, c'est-à-dire ici de la métaphysique. Le découvrement, le dévoiement, la mise au jour, le dévoilement, la mise au jour qu'opère la révélation, peut-il encore s'inscrire à l'intérieur du même dispositif que celui qui, dans la raison métaphysique, aboutit à la mise en évidence, voire la prise de possession certaine d'un énoncé dévoilant? Ce que découvre la métaphysique peut-il et doit-il encore s'inscrire dans le champ de ce que déploie, explique, décèle la raison dans la vérité? Lorsque la raison décèle aletheia, procède-t-elle selon les mêmes procédures et les mêmes opérations que la révélation, Apocalypse,
lorsqu'elle découvre ce qu'elle donne à connaître. Cette question n'a jusqu'à maintenant pas souvent été posée, tant il semblait aller de soi, tant semblait aller de soi l'interprétation épistémologique de la révélation. Cette évidence a masqué l'originalité et la difficulté du concept de révélation, puisqu'on assimilait sans précaution critique le découvrement à ce que la vérité opère quand elle décèle. La confrontation ne peut et ne doit pas, dans une enquête de premier abord, avoir lieu entre la détermination grecque de la aletheia, telle que, par exemple, par un exemple encore unique ou presque, Heidegger l'a tenté à propos d'Aristote et de Platon et en deçà, et la détermination juive et chrétienne de l'Apocalypse. Il n'en sera pas question non plus parce que cela dépasse ce que nous pourrions qu'esquisser. Mais aussi parce que cela ne se trouve pas ici d'emblée requis. En effet, le concept vulgaire et indéterminé de révélation reste moderne et résulte d'une polémique récente entre les théologiens et les métaphysiciens. Il s'ensuit que ce contre quoi la révélation s'est déployée, et du même coup obscurcie, a laissé, ne se situe pas dans la aletheia au sens originel, mais dans la figure qu'elle a prise au moment de la constitution de la polémique entre raison et révélation. C'est-à-dire que la dissimulation de la révélation comme apocalypsis prend son origine de l'interprétation de l'aletheia comme vérité au sens de la mise en évidence par la certitude d'une représentation claire et distincte. Ce moment, la modernité, s'identifie comme la constitution du système de la métaphysique. Il définit la vérité par les conditions de possibilité de la mise en évidence certaine selon les deux principes de la métaphysique tels que Leibniz en a fixé les formules paradigmatiques. Le principe de contradiction et le principe de raison suffisante. Ces deux principes encadrent, comme des portes d'airain, l'accès à la proposition vraie, désormais objet d'une possession, d'une évidence certaine. La proposition, désormais avérée selon sa définition métaphysique de vérité, peut susciter l'assentiment, devenir une croyance fondée en raison, recevoir la sanction de la volonté selon une formule fameuse de Descartes, que je cite. « Ex magna luce in intellectu, magna consecuta est propensio in voluntate. » D'une grande lumière dans l'entendement, s'en est suivie une grande inclination dans la volonté. Si l'on étend ce modèle épistémologique à la révélation, en suivant par exemple la dérive de Suarez, on obtient ce qu'il appelait la « propositio sufficiens », qui propose la vérité révélée dans toute son évidence à une volonté qui, pourvu qu'elle reste de bonne foi, devrait l'approuver et la tenir pour vraie. Or, il se trouve une autre détermination pensable de la révélation, cette fois-ci en tant qu'apocalypsis, qui non seulement diffère de la vérité à l'aletheia selon le système de la métaphysique, mais qui en renverse les termes. Bien qu'en apparence marginale dans les textes, sa tradition affleure pourtant régulièrement en parfaite cohérence. On trouve par exemple, chez Guillaume de Saint-Thierry, les deux termes déjà de Descartes, mais renversés. « Non tam ratio voluntatem quam voluntas tradere videtur rationem ad fidem. » Il semble que ce ne soit pas tant la raison qui attire la volonté, que la volonté qui attire la raison vers la foi. Ce texte remarquable se trouve dans le Speculum Fidei. Ce renversement a été thématisé avec la plus grande netteté par Pascal, qui savait fort bien qu'il s'opposait à l'adage de Descartes. Je cite Pascal. « De là vient qu'au lieu qu'en parlant des choses humaines, on dit qu'il faut les connaître avant que de les aimer, ce qui est passé en proverbe. » Les saints, au contraire, disent, en parlant des choses divines, qu'il faut les aimer pour les connaître, et qu'on entre dans la vérité que par la charité, dont ils ont fait une de leurs plus ultimes sentences. Ce texte se trouve dans l'art de persuader, c'est-à-dire dans un traité épistémologique, une théorie de la science. Il s'agit donc de montrer qu'il y a deux façons de connaître. En fait, ces deux auteurs,
Pascal et Descartes commentaient d'une certaine manière une formule remarquable de saint Augustin qu'il faut lire dans tout son contexte. Cette formule se trouve dans le Contra Faustum. Probamus etiam ipsum spiritum sanctum, inducere in omnem veritatem, quia non intratur in veritatem nisi per caritatem. Caritas autem Dei diffusa est, ut ait apostolus, in cordibus nostris per spiritum sanctum, quidatus est nobis. Romains 5,5. Autrement dit, la vérité révélée, puisque la vérité révélée ne se découvre en fait et en droit que parce que l'Esprit Saint, répandu dans nos cœurs, nous y conduit. Inducere, traere, dit Guillaume de Saint-Thierry, entrer, dit Pascal. La condition de possibilité du découvrement, ce que j'appelle, je traduis ainsi Apocalypsis, la condition de possibilité du découvrement ne se trouve plus assurée par les conditions de possibilité de l'expérience des objets finis, à savoir la critique, les principes de la métaphysique, l'idée claire et distincte, l'évidence certaine, etc. Mais par une autre condition de possibilité, la charité, qui joue justement le rôle d'une condition de la connaissance. De la connaissance de ce qui, pour la raison finie, continue d'apparaître comme inaccessible et donc comme impossible, ou du moins impensable, à moins que l'on admette précisément cette condition, la charité, comme la condition de possibilité. Il faut mesurer ici la radicale portée d'un tel renversement des termes, où la volonté devrait désormais commander l'entendement. Il ne s'agit plus ici du simple usage de la raison dans la pratique, au sens de Kant, au sens où j'y décide selon ce que je veux, puis j'applique mon intelligence au moyen d'atteindre le but décidé. Il s'agit ici d'un renversement de l'usage de la raison dans la théorie, à supposer qu'une théorie ici reste encore envisageable quand elle passe sous le contrôle de la volonté. Reste cependant à savoir si ce renversement concerne bien et explicitement la notion de révélation, en particulier qui, chez saint Augustin, n'emploie pas souvent le terme. À ces deux questions, un commencement de réponse peut venir d'une lecture attentive d'une des rares formulations augustiniennes de la révélation. Je cite « Ista attractio ipsa est revelatio ». C'est dans le commentaire de saint Jean, sermon 26, numéro 5. Cette formule, surprenante, ne se comprend que comme le résultat d'un commentaire détaillé de Jean 6, 44. Je cite l'Évangile. « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'ait attiré. » Le grec dit « éclusé auton », la vulgate « traxerit eum ». Traéré est le mot qu'employait, je vous le rappelle, Guillaume de Saint-Thierry. Une objection paraît s'imposer. Ne sont-ce pas ceux qui ont faim et soif de justice qui, selon les béatitudes, seront rassasiés en voyant Dieu? Il faut donc bien que le désir, c'est-à-dire la volonté, il faut donc bien un désir et une volonté pour que Dieu comble ce désir. Dans ce cas, comment pourrait-on croire passivement, par attirance et par simple attraction, puisque nous expérimentons tous que nous croyons que si nous le voulons, puisque si nous ne le voulons pas, de fait, nous ne croyons pas. Et inversement, quand nous confessons avec le cœur, c'est précisément nous qui confessons. Pourtant, reste la déclaration de Jean 6, 44, que saint Augustin confirme en disant, un peu plus loin, un peu avant, « L'âme est attirée aussi par l'amour, traitur animus et amore », l'esprit plutôt que l'âme. L'esprit est attiré aussi par l'amour. Cette aporie ouvre la voie sans dépassement, car en fait, je suis peu attiré par ma volonté. Je le suis surtout par le désir de mon plaisir. Saint Augustin dit « Parum est voluntate,
Etiam voluptate traeris. Tu es peu attiré par ta volonté, mais tu l'es par ton désir, par le désir, par le plaisir. Ceci ne se vérifie pas seulement dans l'expérience. Saint Augustin a cette formule, da amantem et sentit quod dico. Donne-moi un amant et il comprendra tout de suite ce que je dis. Ni même par l'autorité de Virgile, mais par les psaumes même. Le psaume 36 prend plaisir dans le Seigneur, delectare in domine. Ou même dans le psaume 35. Ils s'enivreront de l'abondance de ta maison et tu les abreuveras du torrent de ton plaisir. Non seulement il est permis, licet, mais nous devons, debemus, admettre que nous sommes attirés, entraînés, tirés par le désir du plaisir quand nous aimons. Dans l'expérience de l'attirance, même subie, nous expérimentons pourtant rien de moins que la logique de l'amour. Saint Augustin a cette formule extraordinaire, amando traitur, en aimant, on est attiré. Cette attraction reste libre, car sans elle, nous ne pourrions absolument pas aimer. Plus encore, diffuser cette attraction dans les cœurs, par l'Esprit Saint, doit s'entendre comme le propre de Dieu qui aime et qui se fait aimer. Car le Christ n'attirerait pas s'il ne rendait pas en lui le Père manifeste, c'est-à-dire s'il ne le révélait pas. Trait revelatus Christus apatri. Il s'ensuit deux conséquences, deux caractères essentiels d'une intelligence théologique de la révélation. Premièrement, la révélation ne consiste précisément qu'en l'attraction par le Père vers le Fils pour y voir le Père. Ista revelatio, ipsa est attractio. Que cette attraction soit ressentie comme douce ou violente ne change rien à l'affaire. La révélation exerce les deux effets simplement parce qu'elle s'exerce. Nous croyons en Dieu quand nous le voulons, évidemment, mais nous ne le voulons que quand nous aimons ce que nous désirons, et dans le cas de Dieu, ce désir de plaisir, nous le recevons de Dieu seul. Je cite toujours Saint Augustin. Est attiré au Christ celui qui est donné, à qui il est donné de croire au Christ. Cette puissance, sauf si Dieu nous la donne, ne peut venir du libre arbitre, parce que celui que le libérateur n'a pas libéré n'est pas libre dans le bien. La révélation suppose une intrigue où l'attraction agisse d'abord sur la volonté, qui décide ensuite la raison, à voir ce qu'elle ne voudrait pas, sinon voir. Voir résulte de la décision de voir, mais cette décision me vient pourtant d'ailleurs. Je dois me décider à me décider, vouloir bien vouloir pour parvenir à voir. C'est la première thèse. La notion de révélation implique qu'elle me vient d'ailleurs. La révélation me vient d'ailleurs. Il n'y a pas d'auto-révélation. Deuxième point. L'attraction ne vaut pourtant que comme révélation que parce qu'elle permet de voir Jésus comme le Christ, c'est-à-dire le Fils du Père, comme la visibilité de l'invisible. On comprend ainsi pourquoi la vision, la découverte, dépend d'une décision. Je ne vois le Père que si j'interprète dans l'Esprit Saint, répandu dans nos cœurs, Jésus comme le Fils du Père, que si je veux bien l'interpréter ainsi. On admet ici aucune proposition sufficiens objecti revelati, connue sans y croire, car sans décision herméneutique, il n'y a rien à voir, rien à croire, ni rien de révélé. La révélation m'advient par herméneutique, c'est-à-dire par la conversion d'une intentionnalité dans une autre. Le concept de révélation implique celui d'herméneutique. Héritier direct de saint Augustin, Guillaume de Saint-Thierry contribue à renforcer la compréhension théologique de la révélation. Il assume l'héritage augustinien, tiré librement d'Isaïe 7,9 selon la Septante. Vous ne comprenez pas si vous n'avez pas d'abord cru. Il conteste, dans les mêmes termes que Pascal, que l'on puisse connaître les choses divines sans y croire.
Ineis vero quae sunt ad Deum, sensus mentis est amor. En effet, cette science, je cite toujours Guillaume de Saint-Thierry, cette science ne consiste qu'en un mode ou une disposition de l'esprit pour recevoir ce qui relève proprement de la foi. Speculum Fidei, paragraphe 50. Par conséquent, il faut d'abord croire, donc aimer, car il s'agit dans les deux actes de la même opération. Je cite à nouveau le Speculum Fidei. Quis cogitat et non amat? Nimirum deus est idipsum est, quod cogitare et amare idipsum est. Je traduis en français. Qui connaît sans aimer? Car enfin il s'agit de Dieu et c'est la même chose, parce que le penser et l'aimer sont la même chose. D'où cette première conclusion, nul ne peut voir ce qui se découvre dans une apocalypse s'il ne le croit. D'où une deuxième caractéristique d'une révélation. Si la révélation n'est possible que si je le veux bien, si je le crois, il faut comprendre pourquoi. Le propre de la révélation, c'est que vouloir, dans ce cas, revient exactement à aimer et ne consiste en rien d'autre. La volonté ne veut que si elle se trouve et éprouve une attraction qui la met en œuvre. Mais cette attraction, venant toujours d'ailleurs, de la chose voulue en général, ici, dans le cas de Dieu, cette attraction ne se donne à vouloir que si elle se donne à aimer. Puisque ici, ce qu'il faut connaître, c'est l'amour même. Dès lors, je ne puis vouloir qu'en aimant. Selon une règle universelle, que plus il s'agit que plus ce, je ne peux connaître l'amour que si je le veux, et c'est pourquoi vouloir s'identifie ici à l'amour. D'où cette formule voluntas enim aliquotenus est amor Christi. La volonté est dans une certaine mesure déjà amour du Christ. C'est la deuxième thèse, à savoir que l'amour n'est rien d'autre que la volonté elle-même. Guillaume de Saint-Thierry, voluntas enim, initium amoris est, amor siquidem, vehemens voluntas est. La volonté, c'est le commencement de l'amour, et l'amour, en fait, est une volonté puissante, véhémente. Ce qui conduit à une troisième conclusion, la plus décisive. Si nul ne peut voir ce qui se découvre, Apocalypsis, sans le croire, si nul ne peut croire sans le vouloir, si nul ne peut vouloir sans aimer, alors nul ne peut voir s'il n'aime pas. Et donc finalement, en situation d'apocalypsis, de découvrement, connaître équivaut à aimer, au contraire de la situation de vérité, à l'étéia, décellement, où connaître signifie voir et directement savoir. Ratio docet amorem et amor illuminat rationem. La raison enseigne l'amour et l'amour illumine la raison. De natura et dignité amoris 25. Une objection surgit pourtant ici, d'autant plus forte qu'elle ne récuse pas la logique du découvrement, mais semble en tirer la conclusion. Il s'agit ici de la logique de la foi, qui suppose acquis le discours qu'elle assume selon sa définition. Ce discours et cette logique restent en eux-mêmes légitimes, mais ils ne peuvent s'articuler ni sur le concept, ni sur la raison, qui, eux, doivent directement voir pour savoir, et savoir pour enfin vouloir, suivant la logique du décellement à l'étéia. Cette scission, aussi commune qu'elle paraisse, ne va pourtant pas de soi. Car il s'agit ici, entre Aletheia et Apocalypsis, de deux logiques qui relèvent l'une et l'autre d'un logos.
Si l'on songe ici à saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 1, le logos toustorou reste lui aussi un logos, au point de se déployer sous le titre de logos, Dieu même. La sagesse du monde ne pourrait pas entrer en contradiction avec la sagesse de Dieu si elle ne s'affrontait en vertu d'une unique logique. En fait, la folie ne surgit que parce que la logique ne parvient justement pas à s'unifier. Et elle n'y parvient pas parce que nous, le monde, en grec que nous restons, selon notre compréhension de la logique, nous recherchons la sagesse, 1 Corinthiens 1:24, comme l'a recherché Aristote. Parce que nous ne nous demandons jamais pourquoi la science, je cite Aristote, reste toujours recherchée. Aei zetoumenon, kai aei apourmenon. Nous ne mettons jamais en question l'évidence de notre conception et de la sagesse et de la logique. L'apocalypse du découvrement ne se déploie pas, elle non plus, sans logique. On vient de le voir. Mais elle oppose une autre logique à notre logique, une logique qu'elle prétend plus puissante, mais toujours logique. La question du rapport entre découvrement et décèlement, Apocalypsis et Aletheia, ne se joue pas en dehors, mais à l'intérieur de la logique. Plus exactement, la question demande si notre conception de la logique peut régenter tout le logos, ou même le logos du logos, ou si notre conception de la logique doit se laisser réformer par la logique complète du logos. Le poids de la question, ainsi reformulée, porte donc d'abord sur la philosophie et sur les limites de sa logique. Il s'agit de savoir ce que la logique philosophique doit réformer de ses principes pour ne pas devenir folle devant le logos de l'Apocalypse. Car, du moins, c'est ce que prétend l'événement biblique, le logos se découvre, il se phénoménalise. Mais ce que la philosophie, ou plutôt la logique élaborée par le système de la métaphysique, entend par phénomène, ne permet pas de concevoir que le logos puisse se phénoménaliser. D'où vient la difficulté? De ce que le logos, même et surtout quand il se manifeste, je cite l'hymne aux Philippiens, devenu dans la similitude des hommes et trouvé comme un homme dans sa figure, schemati oreteis, os anthropos, se manifeste précisément comme un homme et jamais comme un objet. Or, la métaphysique pense d'abord tout phénomène comme un objet qui apparaît selon les conditions de notre expérience. C'est le sens, souvent mal vu, de la célèbre phrase, entièrement vraie, de Kant. Je cite, « Les conditions a priori d'une expérience possible en général sont zugleich, du même coup, les conditions de possibilité des objets de l'expérience. » Ce qui veut dire que les conditions de possibilité de l'expérience ne sont valables que pour des objets. Si le phénomène ne se réduit pas à l'objet, il n'apparaît pas nécessairement à partir du regard qui le prévoit, qui le pense selon les formes de l'intuition, qui le pense par avance selon les concepts a priori de l'entendement et qui le synthétise à partir de la perception. Mais il apparaît ou peut apparaître, s'il n'est pas un objet, à partir de lui-même, an sich. Il faudrait donc que le phénomène, ou du moins certains phénomènes, non seulement paraissent dans l'ouverture du visible, mais qu'ils y apparaissent en s'imposant à partir d'eux-mêmes. An sich en von sich selbst. Et de fait, dans son ambition la plus radicale, la philosophie, sous la figure de la phénoménologie, n'a pas d'autre but. Je cite une formule de Heidegger, « La phénoménologie consiste à laisser le phénomène se déployer en soi et se montrer à partir de soi. » Le phénomène comme « das sich an ihm selbst zeigende ». Mais pour que le phénomène se montre en soi et à partir de soi, c'est-à-dire pour qu'en droit il abolisse l'interdit kantien qui réservait l'en-soi à la chose en tant qu'elle n'apparaît pas, il faut que cet apparaissant ne doive pas s'en apparaître aux conditions de possibilité d'une expérience étrangère, mais qu'il la tire de lui-même et de lui seul. Il faut donc qu'il apparaisse à partir de soi, en un mot qu'il se donne. Autrement dit, le phénomène se propose dans l'intuition
et dans les limites de cette intuition, il revendique en droit qu'on le reçoive et l'admette comme il se donne, wie es sich gibt. Je paraphrase le célèbre paragraphe 24 de Ideen 1 par Husserl. Le phénomène se montre à partir de soi et en soi parce que, et pour autant qu'il se donne en personne à partir de soi. D'objet synthétisé ou constitué, il se transforme en un événement, surgit de nulle part que de son propre abandon à lui-même. Une telle transformation, un tel passage d'une forme à une autre, peut se produire même dans le champ strict de la philosophie. Et la phénoménologie ne vise rien d'autre que de décrire de tels phénomènes qui apparaissent en virant du statut d'objet à celui de l'événement. Elle les désigne sous le nom de phénomènes saturés. Il se trouve, en théologie, que le Christ se montre aussi en tant qu'il se donne. Car le Christ, une fois ressuscité, se manifeste en toute phénoménalité au milieu des hommes. L'expression utilisée par les Écritures est toujours la même, c'est « éphanéroté ». Non pas « il apparut », mais « il se manifeste », « il s'est manifesté ». Et l'exégèse a justement remarqué qu'il se montre à partir de lui-même, qu'il surgit dans le visible à sa propre initiative. C'est ce qu'indique l'aoriste passif Ofté. Il se rend visible, il se fit voir. Mais cette visibilité vient d'au-delà de la mort, puisque sa vie, il l'a donnée et donc reçue absolument librement. En tant que ressuscité, le Christ se montre donc comme phénomène par excellence, hors du commun, exceptionnellement, parce qu'il s'est donné exceptionnellement. Ainsi, dans le phénomène central du découvrement biblique, je veux dire la résurrection du Christ, nous retrouvons les deux caractères du phénomène dans sa définition proprement phénoménologique et non métaphysique, à savoir qu'il est un événement et non pas un objet. Il reste donc, à partir de cette évocation très rapide du ressuscité comme phénomène saturé, à en fixer sommairement trois déterminations. La première, le phénomène saturé, qui se définit par l'excès en lui de l'intuition sur le concept ou la signification, au contraire du phénomène de droit commun, qui, suivant la phénoménalité métaphysique, n'admet que deux autres rapports entre les termes, soit le déficit d'intuition par rapport à la signification, comme c'est le cas pour la connaissance de l'objet technique, voire l'égalité entre l'intuition et la signification, ce que j'appelle le phénomène commun. Mais lorsqu'au contraire, il arrive que l'intuition ne s'épuise pas dans le concept, qu'elle submerge la signification qui... comme dans le cas de l'événement d'une idole, de ma chair ou de l'icône, le visage d'autrui, il n'est possible de voir le phénomène que si je puis l'accepter sans le prévoir, ni l'expliquer, ni le répéter. Il faut constater d'une évidence empirique incontestable ce qui s'impose sans pourtant se laisser comprendre. L'événement nous laisse sans voix parce que nous sommes privés en lui de toute signification qui le rendrait concevable, c'est-à-dire prévisible au sens métaphysique possible. Il nous impose une effectivité qui n'étant jamais ni possible ni pensable à l'avance, mérite donc le titre, le nom d'impossible. C'est impossible, c'est le cri devant ce qui pourtant s'impose à nous, de fait, comme un événement. C'est impossible, c'est le cri qui nous fait constater le phénomène saturé. Nous en parlerons de cet impossible, d'autant plus, mais après coup, pour lui trouver, ou plutôt lui retrouver, des explications hypothétiques, des causes discutables, toutes tirées de ses effets, seules indiscutables. Nous en parlerons à longueur d'herméneutique, toujours à compléter, pour ne rien dire, ou plus exactement, sans avoir de signification adéquate à l'excès du donné. Ces situations d'excès du donné sur le montrable, en tant que visible pour nous,
Elle est déjà banale dans l'expérience commune, elle se vérifie impeccablement dans le phénomène de la manifestation du ressuscité. Je passe directement à la deuxième détermination de la manifestation du Christ comme phénomène saturé. La deuxième détermination de la manifestation du Christ comme phénomène saturé, et donc du phénomène saturé en général, est désormais concevable. Le « je », l'ego, a maintenant le statut d'un témoin. En régime de décèlement d'aletheia, le « je » détermine le phénomène par anticipation, soit l'anticipation de son aperception, soit celle de son intentionnalité. Par définition, le phénomène sera connu par le « je », puisque le « je » organisera toute possible intuition à la mesure du concept ou de la signification que d'avance il lui aura assigné. Le « je » sait de quoi il parle, puisqu'en un sens radical, il ne parle que de ce qu'il a déjà lui-même rendu visible à partir de sa visée. Le concept ou la signification intentionnelle ne pourrait d'ailleurs pas s'avérer parfois vide si précisément il ne se déployait pas en avance sur le phénomène, éventuellement donné à voir ou non. De son objet intentionnel, le je en sait toujours plus qu'il n'en voit, puisqu'il n'a pas besoin de le voir vraiment, en pleine intuition, pour le connaître, au moins dans sa signification. Le je connaît ou peut connaître son phénomène sans que celui-ci apparaisse pleinement ni comme tel. Mais devant un phénomène saturé, au contraire, cette posture devient intenable. En effet, l'excès d'intuition sur le, la ou les significations ou concepts disponibles interdit non seulement de connaître sans avoir à voir, mais surtout de connaître adéquatement, justement parce qu'on le prévoit trop bien. Le témoin voit, il voit indiscutablement, mais sans parvenir à inscrire l'intuition surabondante dans la synthèse du concept ou la constitution noématique de la signification. Le témoin sait ce qu'il dit, très certainement, très sûrement, puisqu'il parle de ce qu'il a reçu par intuition, mais il ne comprend pas ce qu'il dit, puisqu'il ne peut l'unifier dans un concept complet, ni l'identifier dans une signification suffisante. D'ailleurs, lorsqu'un témoin, au sens policier et juridique du terme, se trouve interrogé, ce qu'on lui demande de rapporter, et que le témoin sait sans le comprendre, sert à l'enquêteur pour comprendre autre chose que lui, que le témoin. Au contraire du témoin, l'enquêteur pressent, devine et d'abord recherche, à savoir le concept, la signification, le fin mot de l'affaire, le crime, le coupable, etc. L'enquêteur tente de requalifier le phénomène saturé qui a réduit le jeu au rang de témoin en un phénomène à nouveau objectivable, de droit commun, où un concept rendrait compréhensible la totalité de l'événement. Le témoin, au contraire, dans la posture, par exemple, de l'aveugle de Siloé que guérit le Christ, constate et fait constater par son entourage le fait intuitif de sa guérison. Désormais, lui, l'aveugle de naissance, voit, mais il n'en connaît pas l'origine ni la signification, et d'ailleurs ne le prétend pas. Ils lui demandèrent « Où est-il, celui qui t'a guéri ?» Il leur dit « Je ne sais pas. » Huc oida, Jean 9, 12. De même, tous les interlocuteurs de ce premier témoin vont répétant que le savent encore moins. Huc oida men, 9, 21, 22, 30. Il s'agit là de la posture phénoménologique normale et inévitable que doit prendre tout jeu devant un phénomène saturé. Surtout devant le phénomène saturé du type de l'événement, la posture du témoin s'avère si essentielle au découvrement qu'elle marque la différence entre celui qui ment et celui qui dit la vérité, selon le paradoxe que désigne le Christ lorsqu'il parle du diable. L'homicide dès l'origine, dit-il, qui, je cite, « quand il dit le faux, parle de son propre, de son fond propre, parce qu'il est menteur, Jean 8, 44. Alors que le Christ, lui, ne parle pas de lui-même,
Jean 14, 10, les paroles que je vous dis, moi, je ne les dis pas à partir de moi. En fait, le témoin est justement celui qui ne parle pas à partir de lui-même, mais à partir de l'événement. Karl Barth a très bien exposé l'épistémologie du témoin, je cite, « Pourquoi et comment le témoin biblique a-t-il autorité ? En ceci et précisément qu'il ne revendique aucune autorité pour lui-même et que son témoignage ne vise qu'à laisser un autre déployer lui-même, par lui-même, son autorité. » Je passe directement à la troisième détermination de la manifestation, révélation du Christ et du, comme phénomène saturé, c'est-à-dire la troisième condition de la logique de la révélation. La première, c'est le phénomène saturé, la deuxième, c'est le témoin, et la troisième, c'est le paradoxe. Le paradoxe n'équivaut pas à une simple contradiction logique de la proposition, un non-sens, ni à une impossibilité empirique de la connaissance, ni à une obscurité, une confusion dans la phénoménalité, telle qu'on pourrait, à force d'élucidation, de réduction, de correction, les reconduire à un régime objectif et ontique de manifestation, au sens de la tradition de Bertrand Russell à partir de On Denoting, expliquant que les paradoxes peuvent être dissous par un bon usage de la logique des classes. Le paradoxe définit en fait positivement non des énoncés sur les phénomènes, mais certains phénomènes que j'expérimente indiscutablement, mais qui n'adviennent qu'en contredisant les conditions de mon expérience, donc en imposant une contre-expérience. Il faut suivre plutôt ici Kierkegaard, qui a été cité ce matin. Cela semble un paradoxe, mais il ne faut pas penser mal du paradoxe, passion de la pensée. Le penseur sans paradoxe est comme l'amant sans passion, une belle médiocrité. Le suprême paradoxe de la pensée est ainsi de vouloir découvrir quelque chose qui échappe à son emprise, à l'emprise de la pensée. Miette philosophique. Transposé en termes de phénoménalité, cet avertissement indique que le paradoxe offre la catégorie logique permettant de formuler les phénomènes saturés, ceux en effet qu'aucune signification ou concept ne peut constituer un objet. Ou bien, comme le remarque parfaitement Henri de Lubac, il faut distinguer, citation, les paradoxes d'expression, on exagère pour faire valoir, et les paradoxes réels qui supposent une antinomie résistante. Ainsi, le paradoxe ne résulte pas d'une difficulté logique à décrire des phénomènes, il décrit seul logiquement la particularité de certains phénomènes. Paradoxe, le mot désigne donc avant tout les choses mêmes et non la manière de les dire. Ou encore, le paradoxe constitue la forme logique correcte pour décrire des phénomènes saturés qui apparaissent dans l'expérience en contredisant les conditions finies de possibilité de l'expérience. Le paradoxe n'annule pas l'expérience, il la rend au contraire supportable et descriptible, même quand une phénoménalité avérée et expérimentée se refuse à prendre le statut d'objet et de phénomène de droit commun. Le paradoxe étend l'expérience, loin de l'exclure ou de s'en exclure, mais il l'étend en permettant de décrire une expérience non objectivable et d'autant plus manifeste qu'elle provient de phénomènes qui se manifestent en eux-mêmes parce qu'ils se donnent à partir d'eux-mêmes. C'est cette expérience qu'on peut nommer contre-expérience. Je conclus. Cette figure logique de la phénoménalité et de l'expérience, qui contredit les conditions de l'expérience, ne peut évidemment pas ne pas faire penser à la description radicale de la révélation qu'en théologien Karl Barth a imposée. L'automanifestation de Dieu par lui-même intervient, dit-il, dans l'expérience des hommes comme une pierre soudain tombée et qui défait tout sous son impact.
Pourtant, cette juste brutalité ne dit pas trop, mais encore trop peu, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il va de soi que la révélation, au sens de l'irruption de Dieu dans ce qui finit borné et sans sainteté, puisse par définition s'y faire recevoir. Non. D'abord, parce qu'il ne va pas de soi que la sainteté de Dieu, au sens de l'irruption de Dieu dans ce qui est fini, borné et sans sainteté, puisse, par définition, se concevoir ni se voir. Elle ne peut, en fait, la révélation, elle ne doit même jamais trouver dans le monde, sans sainteté, un séjour, une ouverture ou un temple qui conviendrait à sa sainteté. Il n'y a pas de contresens plus grand sur la révélation de Dieu que celui de Heidegger, héritier en cela de l'Aufklärung, disant que qui voulait soumettre la révélation de Dieu à la manifestation des dieux, la manifestation des dieux au séjour du divin, le séjour du divin à l'ouverture du sacré, et l'ouverture du sacré à l'ouvert intact de l'être. Célèbre phrase de la Brief über den Humanismus. En fait, il n'y a pas de révélation parce que les chemins se trouveraient effectivement redressés, les vallées comblées, les collines nivelées et mis droit tout ce qui était tordu. Je réfère à Luc 3, citant Isaïe 40. Comme autant de conditions préalables à remplir avant que Dieu ne puisse se manifester. Il y a révélation, précisément, bien que les chemins restent tordus, voire afin de montrer encore mieux qu'ils le sont. Si Dieu se manifeste comme Dieu, qui peut tenir, qui peut le voir sans mourir, qui peut l'entendre? Et si l'on pouvait l'entendre, le voir sans mourir, tenir devant lui, s'agirait-il encore de Dieu ou d'une idolâtrie? Non seulement les conditions de possibilité de la révélation ne sont et ne seront jamais réunies, mais elles ne doivent pas l'être, si cette révélation doit mériter le titre de révélation de Dieu par lui-même. Je cite Karl Barth. La révélation, elle ne tient sous aucune condition. Cela ne peut se dire que de notre connaissance de la révélation, elle est elle-même la condition. Et plus loin, il ne se trouve aucun acte, aucun autre acte, ni rien de plus haut que celui-ci à partir duquel on pourrait la fonder ou la déduire. Cet acte est bel et bien la condition qui conditionne tout sans que rien ne la conditionne, et c'est justement ce que nous disons quand nous la caractérisons comme révélation. La question ne demande donc pas, en théologie, de savoir si la révélation contredit les conditions de l'expérience finie. Cette contradiction la caractérise en effet par définition. Mais de concevoir comment elle les contredit et comment elle parvient néanmoins à se manifester parfaitement. On pourrait dire que la théologie, dialectique avec tous ses avatars, n'a qu'à peine entrevu cette question. D'où la seconde raison du paradoxe de la révélation. Une nouvelle question plus décisive reste méconnue pour un motif assez clair. Elle relève d'abord de l'étude des phénomènes en général et ne s'impose que dans une approche phénoménologique de la révélation comme phénomène. Phénomène exceptionnel, mais qui reste pourtant formellement un cas de phénomène saturé. Ce que j'appelle un phénomène de révélation qui combine en lui les quatre types de la saturation phénoménologique, l'événement, l'idole, la chair et l'icône. Comment la révélation se rend-elle manifeste en contredisant, comme elle le doit, les conditions a priori de l'expérience? Par quel paradoxe cette contre-expérience s'accomplit-elle? Ces questions théologiques ne peuvent s'affronter sans maîtriser la possibilité d'une phénoménalité des phénomènes saturés. Il ne faut pas prétendre les résoudre trop vite en mobilisant, sous le concept de catégorie théologique, des formules et des concepts dérivés directement de la philosophie dans son état métaphysique. Il faut donc tenter de décrire la contre-expérience de la révélation comme un phénomène saturé par excellence, et ne le tenter qu'en respectant deux certitudes déjà acquises. D'abord, il ne faut jamais quitter la position et le statut du « je » imposé
par le phénomène saturé, celle du témoin. Ce qui implique de garder toujours présent à l'esprit l'avertissement de l'Évangile, Jean 16, 10, « Il y a beaucoup de choses à dire que vous ne pouvez pas encore supporter. » Deuxièmement, et ce sera la deuxième certitude, il faut toujours considérer que ce qui se révèle dans le phénomène saturé de la révélation concerne, dans son alpha et son oméga, un seul et unique excès, qui est l'excès de la charité. C'est pourquoi on ne peut connaître la révélation qu'en l'aimant, puisqu'elle ne révèle que la charité. Il s'agit, pour parler comme saint Paul au chapitre 3 des Éphésiens, qu'il faut entendre conceptuellement, de saisir avec tous les saints ce que sont la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, autrement dit de connaître la charité hyperbolique du Christ qui surpasse la connaissance. Ten hyperbalousan tes gnoeseos agapen. En sorte que vous soyez remplis de Dieu jusqu'à la saturation. Plérotete eis pan to pléroma touteo. Mais pour y parvenir, pour soutenir cette saturation et cette hyperbole, encore faut-il commencer par être un bon phénoménologue. C'est à condition de respecter ces deux certitudes de méthode qu'il devient possible non seulement de libérer le concept de théologie de toute emprise métaphysique, mais aussi de parvenir parfois à les rectifier, à contempler la révélation comme un phénomène jusque dans le détail des textes bibliques. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup pour cette intervention, cette conférence si dense, intense. Donc, je suis sûr qu'il y a des questions, mais maintenant, je crois que c'est mieux de parler anglais, même si quelqu'un veut poser des questions, je pense que c'est possible. In Sabine, moi, je voulais toucher avec la story in Chimie, donc on peut dire prévenir un petit peu de l'événement. So, now we're going to switch to English. We have some time to ask questions and to get answers. Professor, as you saw, we really have a saturation here. I hope it doesn't bother you by asking questions. Okay, forgive me if I struggle to formulate these questions, but it sounds like there are three terms which become two terms, and I'm just trying to figure out the transformation that happens. So you start with a metaphysical definition of truth and its various permutations. Then you talk about aletheia as the unconcealment, and then you talk about apocalypsis as the découvrement, uncovering. Then you switch us into a phenomenological mode where you're contrasting aletheia with apocalypsis. And if I understand you correctly, you are saying that the saturated phenomenon is the key instance, apocalypsis follows what you call the saturated phenomenon. But you have previously said that the saturated phenomenon are sort of the exemplary case of all phenomena. So are you saying that apocalypsis rules all of aletheia? No. Samo malo na hitro po slovensko, za vse tiste, ki malo težje sledite. Torej, kot ste videli, je on razlikoval vidični način. Če ga zelo povzamem, ali ta biblični način, ki ga potem tudi on uporablja za način, kako se Bog razumene, ali to potem velja tudi nazaj za svoje tejo. So, can I connect the first sentence with the last sentence? Thus, it sounded like, to me, if you move from apocalypsis versus aletheia to making aletheia play the strong and metaphysical,
system? Well, I had to concentrate many different arguments. The main point is that when we are told by classical philosophy to disqualify what they call revelation according to the criteria of philosophy, that is metaphysics, by saying that Spinoza or Kant, the text in reported by the Bible are not objectively true. There is indeed behind the definition of truth, which is the classical definition, that there is an adequatio, equality, adequatio, between intellectus and the thing itself. This definition is kept by Husserl as well as by Kant. So the point is how far this definition should be taken for granted. And it is what I know that it is a way of simplifying. This is what I mean by aletheia. And in the aletheia, most of the case, Descartes said the regular position, you have first to see the adequatio, understand, and then your will agrees to what you have understood. So in this situation, no, get the adequatio and then assent to the adequatio. So the understanding leads the will. I was struck by two arguments against this obviously clear view. First, it was criticized by Heidegger. Those who know Heidegger are aware of that. That in fact, truth is not knowing the adequatio. It is first, the adequatio is only a result, is first the self-disclosing of the phenomenon. And the second point is that there is, and it's why I referred repeatedly to William of Saint-Thierry, but there are other, Augustine and others also, there is another definition of possible definition of truth, where you are first to decide by will, and then if you decide positively by will, if you agree to a proposition or something, the result is that you will start to understand it. So this is, and this is this new definition where the will comes first, is precisely expressed by Pascal to criticize the traditional view, which was that of Descartes. And we find from Augustine, at least, down to Pascal and many others, and to Kierkegaard and so on, this other definition of knowledge, in the case, in some cases, to know, that is to see, you have to agree first in to will. This new possibility of a definition of truth as you pointed out rightly the ambiguity. I think you can use it in pure philosophy as well as in theology. In pure philosophy, a phenomenological approach to truth may lead you, in the case, for instance, of the saturated phenomenon and other
phenomena, or combination of saturated phenomena, to the fact that you have to admit what gives itself. And you can as well deny it. This phenomenon is very well known today, that in the conspiracy literature, the basis of the conspiracy literature is precisely the denial of the fact. When you prefer, so it can be the conspiracy vulgar, conspiracy epistemology, but it is the same thing in political ideology. In the political ideology, you have to deny first the fact, and after that you understand. So we know this other epistemological stand very well. There are cases where the condition of possibility is to see is a decision of the will, positive or not. And we know very well many cases where we can erase the phenomenon and so allow us not to understand it. So this is a phenomenological situation. It is not true that any time we get a sensation or by any information, new facts, we are ready to understand them, to see them, and so on. We can deny them. So the reverse situation, the will can come first again, before the understanding. This reverse situation is a very common situation in political life. And I would say it is even the experience of art. In art, you can say, I cannot stand against that. I just want to listen. I decide not to listen, not to see. Just a short translation? But the other point is that this other alternative model can be used in theology as well. Zelo na hitro, upam, da ste razumeli, da gre pravzaprav za dva načina, kako bi sploh razumeli resnico. Tisti običajni način, naš sedanji, je pravzaprav resnica, kjer se nekaj pokaže in potem se mi najprej razumemo, ne, se razodene in potem to krmari našo voljo, se potem odločimo, da se odločimo. Poskušal bo profesor pokazati, da obstaja druga, tako pač nasprotna način tudi dogajanje resnice, kjer gre najprej za odločitev in šele potem, ko si se odločil za voljo, kaj če ne lahko sploh vidiš, tako kaj če ne lahko sploh razumeš. In poskuša pokazati tudi, da ta register drugačnega razumevanja resnice, da ni nekaj, kar bi bilo samo tako, da je to nekaj, kar to srečujemo že v sedanjem življenju. In da takšen način lahko pomaga tudi za boljši pristop znotraj tega, kako se dogaja resnica v teologiji. Kajti, ko govorimo o razodetju dogajanja, pa gremo tudi o razodetju resnice. Ok, first Emmanuel, and then... Je peux poser ma question en français? Oui, mais je vais en anglais. Ah, vous avez en anglais? Non, non, on parle en anglais, hein, parce que je crois que tout le monde. On vient. En anglais. En anglais. Ok, en anglais. Bon, okay. So I completely agree with you to think that we have today. Speak up. I completely agree with you to think that we have today to develop a philosophical concept of revelation. If there is a physical concept of revelation, it's not sure, because in my eyes there's perhaps only, and you said it, a theological concept of revelation. And to compare the theological concept of revelation to the physical concept of manifestation. But I would like to come back to the misinterpretation of Heidegger. You spoke about it at the end of your discourse. Because what is the question today? In my eyes, it's not only to deliver
to the concept of revelation from metaphysics, but to deliver the concept of revelation from manifestation. It means that the debate, I think today, is absolutely not no more the debate between revelation and metaphysics, but the debate between revelation and manifestation. It means that it is a debate between theology and metaphysics, and theology and phenomenology, and not the debates between theology and metaphysics. In that way, I would like to know, and it is an important question, of course, we all agree to say that the Heidegger concept of manifestation of or aletheia and the Jewish concept of apocalypsis, for example, are not metaphysical concepts. So it's clear. But now the question is, first, what is the difference between aletheia, the Greek manifestation, and apocalypsis, the Jewish manifestation? And then, and that is the most important question in my eyes, what is the difference between the Jewish apocalypsis and the Christian apocalypsis? Because you spoke about the Christian apocalypsis and the question of Trinity. And I think it's not enough to speak about Barthes. You can go to Balthazar, because in the Christian apocalypsis, there is the reality of Trinity, and in the reality of Trinity, the revelation is in God himself. You see, this is the difference. Un instant. Bom samo zadnjo stvar, gre za nadaljne diferenciacije, torej gre za vprašanje, profesor Falk iz Pariza sprašuje, da pravzaprav tudi je vprašanje, če lahko tako razdelimo to razdelitev na razodeto, za teološko razodetje in filozofsko manifestacijo, kako je tudi pokazanje. Potem hkrati pa predvsem vprašal, da je razlika pri tej teološkem razodetju, ki je apokalipsis, pa imamo pravzaprav tudi judovsko, imamo krščansko, ker gre za, pri krščanskem gre za trinitaričnost, gre za trojstvo. Medfrancoska diskusija. Inter-French discussion. It's impossible to answer so many questions. Each one being involved in the other. Sorry. Now, my point, the important point is that tentatively I make the opposition between two possible rival concepts for manifestation, because I think that manifestation or phenomenality are correctly used here. One is the aletheia, which is the common one, largely metaphysical, partly phenomenological, kept by himself, where it's about knowing a phenomenon which can be encapsulated as an object, because we have the adequate concept of the intuition, which is a common experience, a technical object, for instance. In that case, to make the object appear and as known with certainty, we must know. First, we have to know him, and then we can agree to that knowledge. And there is another model, another pattern, where there is no object, because there is no comprehensive concept, and where we have to modify the order of operation. We have first to admit an intuitive experience which cannot be framed into a finite concept, and on that basis start
via Mnetics. Via Mnetics, which will discover, at least partly, one or several meanings of this intuition. An uncontrolled object, an uncontrolled phenomenon. In that case, we have first to agree to the given, and then we start to understand. And this is experience in the daily life, in the erotical phenomenon, in the experience of art, where there is no univocal concept. In cooking, in wine tasting, you are first to experience, to admit that you don't understand, and then you start to discuss, which is the right way to do. So this is true for a large part of the experience. And I think with this model, you can have an access to the theological phenomena. Tudi še enkrat ekspliciral, kar je že prej tudi povedal, se pravi, da gre za drugačen način življenja resnice. Ne samo tisto, ko mi nekaj vidimo in to objektiviramo in je to potem nekaj zase, ampak ko imamo izkušnjo, ko se nekaj nam daje, ko dobimo tako pač zrenje nečesa, ko še nimamo nobenega pojma, ko sploh ne moremo napraviti pojma, ko je tako pač pojem in pojmovanje, ki poskuša to zajeti vedno kasnejše. In on poskuša reči, da je to prav, da je potem v soočenju s takšno izkušnjo, da pravzaprav moraš najprej priznati, da ne obvladaš, in potem, preko še let kasneje, poskušaš razložiti in razlagati, zapravi, da tako reko, če najprej ta moment priznanja, pripoznanja in potem še le razumevanja, spravi, če želite moment volje, We have three questions, you know, and I have to look at the clock there. So first, James Mensch, Czech Republic. Thank you for a wonderful talk. I really speak up, please. Appreciated it. I just wanted to ask a question about moving through love. I mean, Aristotle says that the prime mover moves through love and talks about one-way touch, you know, and which I love God, you know, and all the creatures love their own forms. Aquinas reprises the argument when he says that every creature loves its own existence, that God is pure existence, and expresses in its love for its own existence the love for God. And Descartes attaches himself to that tradition when he says that, you know, willing is our rational appetite towards the true or the good. You know, if I say one and one is two, you know, my rational appetite says yes, I accept that. Or if somebody offers me ice cream, of course I say yes. Well, most normal people. But there is that tradition of desire informing will and directing it. But when Kierkegaard talks about, in the concluding unscientific postscript about will, he says that when I face the paradox of God becomes man, my intellect cannot comprehend it, and that shock then opens up the possibility of my will. But that's not a rational desire. That's very, very different, at least in my understanding, from the medieval tradition that stems from Plato's Symposium through Aristotle, etc. Poskušam najprej pokazati, da imamo tudi že sicer v tradiciji, tako rekli metafizični, moment ljubezni in moment volje, in da je potem pri Kierkegaardu pa pravzaprav, da gre za drugačno, da gre za šok pravzaprav v soočenju s paradoksom. Poskušam na nek način vprašati z drugega vidika, ali ni tudi ta tradicija že vsebovala elementa volje, da je pri Kierkegaardu drugačno. Well, you raise a very difficult question, because
there is a Greek approach to love, which was kept to a large part by Thomas Aquinas, for instance, and some few others. The idea that the more truth displays itself, the more we agree. And this is the traditional view, which is kept even in some modern rhetoric. The more the good, the true, and the beautiful, and that appears, the more I agree to it and love it. In that case, we are in aletheia. It is by knowing that I can love. So the old principle, which was kept by Thomas Aquinas, omne amatum cognitum. You cannot love what you don't know. And there is the other situation where we discover, and this is a part of nihilism, but not only nihilism, where it is precisely because I know that this is true, this is good, this is beautiful, that I deny it. And I think we have all of us. Perhaps I'm perhaps the only one in this crowd, but I know, according to my own example, that it is possible to deny the true, the truth, the good, and the beautiful, because they are so. They are such. In that case, the first step is about will and not understanding. This case has to be taken very seriously. And when Nietzsche said jenseits gut und böse, in fact, he was referring to that. And the last century has given plenty of examples of this behavior, where it is because the good is good that it is the object of our hatred. To je zanimivo odgovor, ki ste ga verjetno razumeli, torej da pravzaprav se kljub vsemu, da bi imeli najprej bi mislili bolj nekaj razumemo, bolj da nas bo to nagovorilo, bomo to bolj ljubili, da je možno, da kako nekaj se zelo razkrije, da je to možno zanikati, da je to možno, da se tema možno upreti. Da tudi takrat, ko je nekaj kot dobro in lepo, kar pomeni, da je v zadnji najprej moment volje tudi, da potem nekaj sploh, spravi, da je volje močnejša od samega razumevanja, ki bi bilo pred voljo. Now I have three people who would like to ask questions. I would like, you know, to congest and how should I say, you know, to put it very short. And yes, it's first of all. Just to come back to that diagram where you mentioned the understanding and the will. I wonder, especially because you gave the example of conspiracy theory, how does faith factor into that diagram? How does faith factor into the diagram? Foi. Comment foi entre dans le modèle? La foi. No, that's easily. Faith is precisely to decide before, by will, before seeing, according to the principle of Augustine, you will not understand if you don't first believe. You will not see if you don't first believe. And so there is, this is true, again, even at the level of the philosophical experience in the daily life. There are cases where you have to decide if you want to see. It is not only when you play cards, but it is. If you want to go a bit further with a young lady, you have to decide.
It depends how she answers. The second thing, there is a special case. I've not given up your thing, but by Guillaume Saint Bernard or Guillaume of William of Saint Thierry, they insist on the fact that when it is about knowing God as love, there is only one way to know love, it is to love love. And if you have only a representation of love, even a correct, very achieved, very well constructed theory of Trinity, if you don't yourself love Trinity, you will not understand. Ili vprašanje, glede vere, kako vera prihaja, in vera je pravzaprav že na samem začetku, tako da pač delovno poštinsko pred genetično pred odločitvijo. Very short. Yes. Thank you for the lecture. And I would like to ask, when you in or Descartes' passive thought, the mutes or partes and dualism describe Descartes' ego as self-affected place, which gets passive knowledge from elsewhere, how would you relate your own views of separated phenomena to these views of Descartes, because this Descartes' passion as an event is also unexpected, unpredictable, and affects intimately and puts the so-called subject in the state of receptivity in the same way as separated phenomena, so how would you Samo vprašanje glede Descartesa, torej gre za to, ker ima tudi Descartes vprašanje strasti, kjer se tudi pojavljajo določene podobnosti z nasičenim fenomenom. First, I'm very pleased and surprised to have such subtle and exhaustive readers. yes, you have a question in another book about Descartes. I insist on the fact that in the last period of Descartes, when he's speaking about morals, he has a new modified definition of the ego, where the ego is passive in sensation, much more than active in understanding the ego and so on. You asked, you pointed out this and said, so the morals of Descartes with passivity could be related to the primacy of accepting something coming from outside. Yes, you are right. What is great in Descartes, the only great philosopher can do that, is able to not to contradict, in fact, to correct his own doctrine. The ego by Descartes is not only what it will become after Descartes, that is an active transcendental I, like Kant, the spontaneity of the perception. The spontaneity of the perception is the first level of the ego. But at the end, facing the question of passions, the question of morals, he has praised the passivity of the passion, and Kant was unable to do that. Torej, odgovor je bil, torej, resnično je dobro brala ta njegovo knjigo tudi o Descartesu, kajti Descartes v svojem kasnejšem delu, ki ima moral ta provizion, ki je govoril o strasteh duše, je to pravzaprav uvede drugačen jaz, ne tisti jaz, ki vse vlade, ki mora vse razumeti, ki tisti kogito, ampak je jaz, ki že utrpeva, ki nima tiste vloge, kot je sicer transcendentalni jaz, kot in kasneje postal, tako da je dal on diferenciran odgovor. Okay, the last, but very short. Michael, very short. Very short, okay. okay. James, don't laugh. you touched a bit on that when you talked about denial and hatred that might arise from the response to what advances, to what calls, to what might be received as a call. I remember that at the initial
printing of Lucanemis Atelier, you cite Venetia with what enters into the world without troubling merits. No adventure. So I'm very much interested to understand, and I think that takes up a little bit the question of Immanuel Kant. How to demarcate the concept of revelation in terms of saturation? Since, let me add a little bit on that. Take, for instance, the experience of the elemental or the experience of nature as something overwhelming, as something that even gets quasi-religious over-determination today. So nature as a saturated phenomenon can easily be used to step in for what is taken to be revelatory. How could one get a grip on that question? I think it's important since the so-called return of religion Vprašanje gre predvsem za to, kako zdaj sploh razlikovati, če govori o nasičenem, tem presežnem fenomenu, pa ni možno tudi pri doživeti narave. Se pravi, hoče malo, kje so tiste demarkacijske linije, da so tudi na določeno različne. Obljubljam, da je to zadnje vprašanje. I hope that from the beginning I was clear on that point. Saturated phenomena are just part of the phenomenological display of different types of phenomena. So there are saturated phenomena in the daily life experience, and it's why I keep against the advice of Immanuel Falk, the distinction between philosophy and metaphysics, because I think that if you want to understand what metaphysics is and why there is a limit to metaphysics, precisely metaphysics cannot explain the non-objective phenomena. And if you want to be a good philosopher, you have to account for other phenomena which are not objects and nevertheless can be described, saturated phenomena. So it is even possible in the field of pure philosophy to have what I call phenomena of revelation, small r. That is, some phenomena are a combination of, say, an event and the absolute of my own living body, for instance, which is the case of Michel Henry. So you can have a combination of different types of phenomena. And this combination I call phenomenon, saturated phenomenon, making a revelation, revelatory saturated phenomenon. This is not no special theological. Then I ask myself, what should we do with, for example, biblical narrative? The question of rigor. Is it possible to make sense from those texts? Yes, if we can describe them. How can we? We cannot describe them according to the principle of sufficient reason, to the principle of identity, which are contradicted by those narratives. So we may perhaps describe them according to the saturated phenomena, the witness and other concepts. In that case, we can come closer to revelation, big A, big R. And that's, so to that extent, I am in a very Thomistic position. I cannot dare to proceed in theology without assuming some philosophical concept, but not all of them fit. Okay, in this case, I'm not going to give any translation, because if you want to know what happens, and we are going to continue tomorrow, then you have to join our conference. So, anyhow, we want to thank Monsieur Marion for this lecture and really to come to us and to talk to us and to have patience to be with us and answer our questions. So, thanks.